Les fondations de l'Hôpital du Suroy et Anna Laberge ont décidé, pour une première fois de leur histoire, de faire équipe afin de réaliser un important projet sur le territoire, soit de garnir d'équipements adaptés la première maison régionale pour jeunes adultes polyhandicapés. L'installation vise à offrir un milieu de vie à 10 jeunes adultes présentant une déficience intellectuelle, un polyhandicap ainsi que des comportements perturbateurs. L'installation, qui permettra d'accueillir des jeunes de partout en Montérégie à Beauharnois, comprendra des chambres individuelles, une salle commune, une salle d'exercice, une salle sensorielle, deux cubicules d'activité, un espace familial et deux aires extérieures. Pour inciter les gens à donner afin de réaliser cet important projet, mais aussi pour mieux comprendre la réalité de ceux et celles qui pourront profiter de cette ressource, une vidéo mettant en vedette la jeune Arielle, atteinte de paralysie cérébrale, a été réalisée et partagée sur les réseaux sociaux. Ça fait partie de nos plus grandes craintes, de dire si à un moment donné, on n'est plus en mesure de s'en occuper pour une raison quelconque ou qu'on n'est carrément plus là. C'est déchirant de juste évoquer que est-ce que tu penses qu'on va être capable de continuer comme ça longtemps? T'sais, l'idée, c'est pas de la laisser toute la journée dans son lit, là. Si nous, on n'est plus capable, on veut trouver un milieu où ce qu'ils vont continuer à la garder heureuse. C'est quand on a lu le projet, c'est un projet qui répondait à toutes nos valeurs, t'sais, en disant, on pense que ça serait un genre d'endroit où elle serait bien. Je veux juste qu'elle soit bien. Juste qu'elle soit bien. De savoir que quelque part, il y a un endroit où elle pourrait être aussi bien qu'à la maison, bien, pour nous, c'est un gros baume sur notre cœur en se disant, bien, dans l'avenir, si jamais, éventuellement, on n'est plus en mesure de s'en occuper, bien, Arielle pourra continuer à être heureuse d'une façon ou d'une autre. Les deux fondations espèrent amasser la somme de 270 000 $. Pour en savoir plus sur le projet et faire un don, visitez le site Internet de la Fondation de l'Hôpital du Suroy.